Les chemins d'une vie qu'on choisit ou croit choisir. Celui-ci se présente sur son tapis d'herbe épaisse. Le soleil est écrasant, l'odeur de tourbe chauffée enivre. Le bourdonnement paresseux des insectes tout autour. C'est un retour sur le plateau de mon enfance. Derrière les arbres se dégagera l'horizon. Le sentier est tracé, il n'y a qu'à le suivre. Le cisalier, jauni par le soleil. Ou givré par le froid, lorsque la nature se fige. Bel après-midi d'hiver, le village, Busseau, perché au bord du plateau, juste avant la gorge boisée creusée par le ruisseau. Au loin, la crête du signal du Luguet domine. Le vent est vif, toute la nature dort. Seuls quelques oiseaux profitent du soleil offert. C'est mon terrain de jeu, en toute saison. L'aventure. Le bonheur, une virée à moto, seul avec mon père, seul contre tous et sans personne autour. Ici, il n'y avait pas de chemin pour descendre planter la tente près du ruisseau. On l'a fait, une virée sauvage, avant de sortir de l'enfance. Ensuite, les directions deviennent moins évidentes, moins tracées, et les souvenirs se troublent, parfois, tout peut devenir obscur. Mais les odeurs restent. Comme l'odeur de la banquette de cette Merco. Steph, l'heureux propriétaire. Mais être heureux, c'est pas facile. Stéphane, mon oncle, mon grand frère. Rebelle sensible, introverti rigolard, sombre rêveur. Besoin de liberté? Alors on démarre le tas de boue et on part dans la vallée. Les chemins possibles, il m'en a montré, à chaque croisement vers l'âge adulte, souvent sur ses pas, puis à ses côtés. Un soir de réveillon, ça rigole et discute, danse le rock en fin de soirée. Je suis adolescent et profite de la discussion avec lui. Quels mots me disait-il? J'imagine sa voix, ses intonations, son rire, mais parfois il devient flou. Je le perds. Je cherche à le ranimer, mais quand il y a du monde autour... Réveillon après réveillon, les années passent et s'arrêtent. 31 réveillons. Stéphane s'efface. Besoin de liberté, ne plus respirer. La suite du chemin se fera un peu plus seul dorénavant. Pour moi, le début du chemin, c'est ici. Mon père me porte. Nous fixant l'objectif, le regard dans la même direction. Dans sa jeunesse et sa propre entrée dans l'âge adulte, mon père cherche les voies à prendre, les sentiers sûrs, les passages secrets. Tous les possibles s'ouvrent à lui. Et comme tout le monde, les déviations imprévues s'imposent parfois. La maison, celle de l'enfance. Mes parents l'ont retapée et installée au fil des ans. Une maison, des enfants, des projets à bricoler. Tiens, la moto est déjà là. Cette maison aussi fait partie des souvenirs. Mais elle, elle est toujours debout. Le vent glacial rougit les joues et pique les yeux. Cette route, c'est celle pour repartir du village, pour quitter le plateau. Ce chemin commun s'ouvrait aussi sur des champs, le champ des possibles et d'autres horizons encore. Quelques croisements plus loin, et notre père a quitté malgré lui notre route, celle de ses enfants. Le chemin qu'on choisit ou croit choisir. Dernière photo prise ensemble. Mon père et moi avec mon fils aîné. J'ai son visage sur cette image, même s'il disparaît parfois de ma mémoire. Sa voix, sa silhouette, son regard, son eau de Cologne, la taille impressionnante de ses mains. Tout peut se brouiller. Les souvenirs, il faut les travailler pour ne pas les perdre. Mon père est parti vite, brusquement. 49 ans. Je me suis alors retrouvé sur le bord du chemin, avec mon fils, un certain temps.
Depuis, j'ai repris la route. Je repasse parfois par ce plateau. Mon ancien terrain de jeu, ma réserve de souvenirs. Je retrouve les odeurs et la lumière, un horizon connu et rassurant. Quand la chaleur de fin d'été vient finir de brûler la steppe locale, quand l'herbe craque de sécheresse sous la semelle, les mirages apparaissent parfois dans l'auréole de chaleur. Alors je me retourne et reprends mon chemin. Celui qu'on choisit ou croit choisir. Thank you.